Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, ici votre frère Orly Mbia. Alors nous venons à travers cette vidéo pour essayer de parler avec vous sur un thème que nous avons intitulé « Les pièges du diable dans l'église ». Les pièges du diable dans l'église. Alors, nous allons prendre un passage de base qui va nous permettre de bien développer notre thème. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 13, le verset 24 à 30. Matthieu chapitre 13, le verset 24 à 30. Nous lisons la parole de Dieu. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrées parmi les bleus et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donna du fruit, livrée parit aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le bleu. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Voilà le passage de base qui va nous permettre de développer ce thème. Le piège du diable dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte d'une chose. L'église est comparable à ses champs. Le maître de la moisson a mis une bonne semence, a mis dans son champ ou a semé les blés. Mais arrivé à un temps, il se rend compte que non seulement que les bleus étaient dans son champ, mais il y avait une autre semence que l'ennemi était venu mettre, c'était l'ivraie. Et vous allez, en faisant des recherches, vous allez comprendre avec moi que les blés et l'ivraie, ce sont deux semences ou deux plantes qui se ressemblent vraiment. Il y a une très forte ressemblance. C'est pourquoi le maître a refusé. Il a dit, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous allez aussi arracher les blés. Pourquoi? Parce que ça se ressemble. On ne saura pas facilement les distinguer. Il faudrait attendre à la moisson. Alors, les champs dont il est question peuvent être comparables à l'église. Et dans l'église, il y a deux sortes de semences. Il y a d'une part les bleus, d'une part les vrais. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte, et j'insiste sur une chose, c'est que le diable est celui qui vient mettre les vrais là où il y a les bleus. Le diable ne travaille pas seulement en dehors de l'église. Pour le moment, dans cette génération, le diable travaille aussi à l'église. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient mettre une mauvaise semence à l'église. La semence dont il est question, ne comprenez pas seulement en termes des semences, mais comprenez qu'il s'agit des hommes, il s'agit des femmes, que le diable peut envoyer à l'église pour venir détruire, pour venir détériorer, pour venir abîmer l'image de l'église. Et ça, les chrétiens doivent être avisés. Alors, vous allez vous rendre compte que parmi les choses que nous allons énumérer comme pièges du diable, premièrement, il y a les apparences. Les blés et l'ivraie, lorsqu'on ne tire pas trop d'attention, vous allez vous rendre compte, vous allez peut-être voir que c'est la même chose. Vous pouvez dire que c'est l'ivraie alors que c'est les blés. Vous pouvez facilement confondre. Pourquoi? Parce que ça se ressemble. D'où, aujourd'hui à l'église, il y a des gens qui travaillent plus sur leur apparence. Ils veulent paraître saints, ils veulent paraître hommes de prière, ils veulent paraître femmes de prière. Or, notre Dieu, ce n'est pas d'abord un Dieu qui travaille avec l'apparence. La Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Ça veut dire, Dieu ne s'intéresse pas d'abord à ce qui frappe, mais Dieu regarde la nature ou l'intérieur. Et pourquoi le maître a attendu la moisson pour maintenant différencier? Parce qu'à la moisson, on saura comprendre que ça c'est les blés, ça c'est l'ivraie. Et Jésus insiste pour dire, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce que tu produis comme fruit détermine ta nature, détermine ce qui est en toi.
Lorsque tu produis des choses négatives, ça veut dire en toi déjà, il y a des choses où il y a une nature négative. Raison pour laquelle nous faisons cette vidéo, non pas pour vous juger, mais pour vous dire, il est encore grand temps. Tant que vous êtes encore en vie, tant que vous êtes sur terre, vous pouvez changer de nature. Et Dieu est celui qui nous offre cette possibilité. L'amour de Dieu n'est pas limité par rapport aux frontières. L'amour de Dieu n'est pas limité par rapport au temps. Dieu nous aime et il veut que nous puissions réellement, non pas être des hommes d'apparence, mais être des hommes de fond. Et pour être un homme de fond, une femme de fond, il faudrait ne pas travailler d'abord sur l'apparence, mais se tourner de tout cœur à Jésus. Alors ça, c'est les premiers pièges, les apparences. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent paraître puissants, veulent paraître forts. Or, la vie chrétienne, c'est d'abord une vie de cache-toi. Dans la vie chrétienne, on ne paraît pas d'abord devant les hommes avant d'être dans la présence de Dieu. Un David qui affronte Goliath devant l'armée de Saül, sans avoir affronté les lions et l'ours dans les secrets, ne pourra rien faire. Un Moïse qui va rencontrer Pharaon sans avoir rencontré les buissons ardents va fuir devant les serpents. Or, c'est dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, c'est là que Dieu nous travaille. Et là, c'est là que Dieu nous brise. C'est là que nous pouvons fuir devant les serpents. Et c'est là que nous pouvons apprendre les stratégies qu'il faut. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas un chrétien, une chrétienne d'apparence. C'est un piège du diable. Deuxièmement, il y a le péché. Le péché, c'est aussi un piège de l'ennemi dans l'église. Aujourd'hui, c'est facile de trouver des hommes en train de prêcher et de pécher en même temps. Ça rime, mais ça ne va pas de pair. On ne peut pas continuer à prêcher tout en prêchant, tout en prêchant. Soit on arrête là, soit tu arrêtes de prêcher et tu continues à pécher, soit tu continues à pécher et tu arrêtes de prêcher. Parce que ça rime, mais ça ne va pas de pair. Aujourd'hui, le diable a voulu convaincre les hommes de Dieu que vous pouvez continuer à faire des exploits avec Dieu, mais en continuant à vivre dans la débauche, en continuant à vivre dans les péchés. Non. Notre Dieu, c'est un Dieu saint. Et la sainteté, c'est un message qui ne périra jamais. Ça ne sera jamais périmé. Le message de la sainteté reste un message d'actualité. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne marchera jamais efficacement avec Dieu en vivant dans les péchés. Le péché, c'est un piège que le diable a amené à l'église. Le péché, c'est un piège. Et le diable a convaincu des gens à l'église qui peuvent continuer à marcher efficacement dans l'onction, tout en continuant à vivre dans le péché. Non, ça ne se passe pas ainsi. Dieu aime la sainteté. Notre Dieu est saint. Et ce message ne passera pas. Troisièmement, je vais parler aussi du troisième piège. Vous allez comprendre avec moi qu'il y a beaucoup de pièges, mais dans cette émission, je vous propose le 3. Troisième piège, c'est le voyeurisme. Le voyeurisme, c'est une complaisance à regarder des contenus considérés comme intimes ou secrets. C'est un piège de l'ennemi aller dans l'église parce que le diable a tellement travaillé sur cet aspect de choses pour nous amener sur les réseaux sociaux, sur tout ce qu'il y a comme plateforme. Le diable a introduit des séquences qui nous amènent facilement dans le voyeurisme. Et retenez une chose, c'est que ce que nous voyons nous influence toujours. Ce que nous voyons influence toujours nos pensées. Et cela peut facilement nous suivre. Alors faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur, parce que ce sont des pièges qui nous éloignent encore plus de Dieu et qui nous rapprochent encore plus du diable. Retenez une chose et je termine par là. Dieu reste dans ses principes. Et Dieu ne change pas. Nous les hommes, nous pouvons changer, mais Dieu ne changera pas. Alors garde le principe de Dieu, tu vivras. Échappe aux pièges du diable et tu seras heureux, heureuse. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère Orly Mbia. Que Dieu vous bénisse.